De retour sur le plateau TV Boulangerie en direct du Salon Syrah Europain et sur le stand de la Confédération Nationale de la Boulangerie, Boulangerie, Pâtisserie Française, émission 18e émission. Et pour cette 18e émission, Alexandra, de la journée, eh bien, nous allons parler de nutrition et plus exactement d'éducation à l'alimentation. Certes, il n'y a peut-être pas d'âge pour apprendre, ou je dirais réapprendre à bien manger, mais si on pouvait commencer dès le plus jeune âge, eh bien, cela serait d'autant plus inscrit dans nos habitudes et régimes alimentaires, et éviterait certainement à beaucoup de prendre de mauvaises habitudes au détriment de leur santé, Alexandra. Oui, Gilles, et l'éducation à l'alimentation est d'ailleurs un des combats de l'association Open Agri Food, dont nous avons la chance d'accueillir la directrice sur notre plateau, Florence Duprat, bonjour. Bonjour. Pour appuyer ses propos, nous avons avec nous, à ses côtés, le docteur Fisch, nutritionniste, bonjour. Bonjour. Et Dominique Orac, président de la Boulangerie Nationale et Boulangerie Pâtisserie Française, pardon, Confédération Nationale de la Boulangerie et Boulangerie Pâtisserie Française. Bonjour et bienvenue à tous les trois. Bonjour. Nous allons donc commencer par vous, Florence Duprat. Est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, nous présenter Open Agri Food, s'il vous plaît? Avec plaisir. L'Open Agri Food, c'est une association loi 1901 qui a pour vocation de réunir tous les acteurs économiques de la filière agroalimentaire, du semencier jusqu'au consommateur, et ce, pour les faire dialoguer et réfléchir ensemble. Cette filière a la particularité d'être en silo, n'importe comment en silo de filière, puisqu'on a les céréales, le sucre, etc. Mais aussi en silo horizontaux. C'était rare, maintenant ça commence un peu, qu'un producteur discute avec un distributeur, voire avec une ONG. Donc l'Open Agri-Food, depuis 2014, essaye de réunir tous ces acteurs pour les faire parler ensemble. Et alors, je crois savoir concernant du coup votre combat pour l'alimentation, l'apprentissage de l'alimentation dès le plus jeune âge, vous avez écrit un manifeste qu'on peut retrouver d'ailleurs sur votre site internet. Est-ce que vous pourriez nous en parler de ce manifeste? Oui, déjà, il faut dire que ce combat, il a le mérite d'engager tous les acteurs économiques de la filière. Il fait consensus. Si vous allez sur le site internet de l'Open Agri-Food, vous pourrez voir que tous les acteurs de toutes les filières, que ce soit des petites entreprises, des très grandes entreprises, ont signé le manifeste parce que tous ceux qui travaillent dans l'alimentation se rendent compte qu'il y a un vrai besoin d'apprendre cette alimentation aux enfants et que ça changera beaucoup de choses en termes de santé publique, mais aussi en termes de respect des agriculteurs, en termes de respect des produits, et que donc il faut remettre les produits agricoles au cœur des apprentissages chez les enfants. Et alors, vous souhaitez justement inscrire dans l'apprentissage des enfants, dans le cadre de la pédagogie à l'alimentation, vous voudriez inscrire au programme scolaire tout cet apprentissage. Comment est-ce qu'on pourrait envisager justement cette mise en place? Alors, c'est une mise en place qui est extrêmement expérientielle. Pour apprendre à bien manger, il faut pratiquer. Il faut d'abord pratiquer la culture, planter des petites tomates cerises, des salades dans le potager de l'école, pour voir que ça ne pousse pas en un coup de baguette magique, que c'est long, que ça doit respecter le rythme des saisons, que s'il gèle ou que s'il pleut, eh bien, on n'a pas les mêmes récoltes. Donc les enfants doivent tous cultiver dans les écoles. Il doit y avoir des paddocks et des potagers pour leur faire apprendre les produits agricoles. La deuxième chose, c'est qu'ils doivent tous cuisiner. On ne sait pas bien manger si on ne sait pas cuisiner. Il faut savoir jeter un carreau, un navet, une pomme de terre dans une casserole pour se faire une soupe. C'est bien mieux que de descendre au kebab du coin, s'acheter quelque chose de tout fait. Donc, toutes les recettes de base de l'alimentation, il faut les réapprendre à nos enfants. Ils ne les connaissent plus parce que y a dans le cercle familial, finalement, les mamans se sont mis à travailler, tout le monde travaille et on n'apprend plus la cuisine aux enfants, notamment ça se faisait pas mal le mercredi. Ça se faisait aussi au collège du temps de ma maman, elle avait des cours de cuisine, enfin c'était que pour les filles. Bon. Mais maintenant, il n'y a plus tout ça et il faut le remettre au goût du jour. Et on peut le faire parce que dans toutes les cantines de France, ça ferme à 14h.
Et à partir de 14h, on a un lieu où on peut faire faire la cuisine aux enfants, comme on les emmène au gymnase pour faire de la gym. Président Dominique Conract, la Confédération nationale évidemment de la boulangerie soutient ce projet qui est en phase avec les valeurs et les messages qu'elle porte depuis plusieurs années, je crois. Hein. Tout à fait. Donc, à partir du pain qui fait partie de la gastronomie, évidemment qu'on soutient ce projet. Et aussi, notamment, le projet du petit-déjeuner. On s'est aperçu que 4 enfants sur 5 sautaient le petit-déjeuner, donc ne prenaient, partaient avec rien dans le ventre le matin. On s'est aperçu aussi que quelquefois, les gens commençaient à manger mal, différent, toute la journée, etc. Il ne faut pas oublier qu'en France, on a un modèle alimentaire qui est exemplaire. Hein. C'est-à-dire ce petit-déjeuner, ce déjeuner, ce dîner, avec notamment le côté de dîner gastronomique qui est inscrit à l'UNESCO, donc c'est quelque chose qui parle quand même. Donc nous, on soutient tout ça parce qu'on sait qu'on a un produit qui est sain, sur lequel d'ailleurs on réduit le sel, et à travers, notamment, on a signé le manifeste de Pédagrifood, on est présent dans cette action, et on veut vraiment que les enfants puissent apprendre à faire du pain, à manger correctement, notamment à travers les fêtes du pain, à travers aussi dans les écoles, où j'ai vu que dans des CFA, quelquefois le mercredi, des jeunes viennent mettre des blouses et apprendre à cuisiner, pâtisser ou faire du pain. Donc ça, c'est une chose qui est très très importante, de leur apprendre déjà à savoir que tous les produits, ce n'est pas que des produits finis, emballés et industriels. Il faut, avec quelques petits produits, on peut se faire notamment juste un bon sandwich. Alors vous dites les enfants, mais je pense que aussi parfois c'est les parents qu'on doit éduquer ou rééduquer pour que les enfants puissent manger du bon pain que les artisans boulangers réalisent chaque matin. Alors vous qui travaillez avec tous les acteurs de la filière, blé, farine, pain, vous avez pleine conscience de l'ensemble de la chaîne alimentaire. Une éducation à l'alimentation de la fourche à la fourchette, c'est indispensable pour vous. Tout à fait, il faut que les gens sachent comment c'est fait, d'où ça vient, etc. Et ça, c'est un petit peu nouveau aussi dans les boulangeries. On commence à voir des agriculteurs, des meuniers, des gens qui interviennent sur des actions en commun et de façon à ce qu'on puisse expliquer qu'il y a quelque chose d'important qui vient de la terre, ce sont des produits, c'est toute une filière qui est représentée. Et les gens sont très, très conscients. Dès que vous faites venir des agriculteurs, les gens demandent d'où ça vient, comment c'est fait. Et on voit aussi ce côté très important du manger local. C'est-à-dire que même parfois, plutôt que le bio, les gens veulent des baguettes comme on a l'ardéchoise, on a la haute-saônoise ou même la baguette saveur Île-de-France. Les gens ont une espèce de cocorico, une fierté d'avoir des produits à circuit court et des produits sains. Très bien, merci, Président. Je vais me tourner vers vous, Dr Fisch. En tant que nutritionniste, que pensez-vous justement de ce manifeste ? Alors je trouve que c'est parlez bien dans le micro, docteur. Je trouve que c'est formidable de pouvoir éduquer les enfants tôt, car on se rend compte que les bonnes habitudes se prennent tôt, les mauvaises aussi. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il y a une déstructuration des repas actuellement. C'est-à-dire que, vous le disiez, Président, c'est qu'en fait, les enfants partent sans petit déjeuner. Donc, à 11h, ils ont un coup de pompe terrible et ils ne sont plus du tout concentrés sur leur activité scolaire. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est leur apprendre du pain. Et même les adultes, le meilleur petit déjeuner qui soit, c'est pas de prendre des produits transformés, industriels ou autres. Exactement. C'est de prendre du pain, alors de la baguette de tradition ou du pain complet, une tranche avec un œuf, par exemple. C'est formidable. Vous avez un effet satiétogène parce que vous avez des glucides complexes qui vont être absorbés lentement. Et ainsi, vous n'aurez pas de problème de concentration et de coup de pompe en fin de matinée. Ça évitera de vous jeter aussi sur le déjeuner. Et ça évitera donc cette fringale qui finalement est toxique à tout point de vue. Alors maintenant, au niveau du pain, en termes de qualité, ce qu'il y a de formidable dans la Confédération, c'est qu'il n'y a pas de rajout d'additifs, c'est le cas de le dire, c'est un pléonasme. Par rapport à certains produits industriels. Vous avez de l'eau, de la farine, du levain, mais disons que tout ça participe à une bonne qualité de produit. On sait ce que l'on mange. Et vous le disiez aussi, il n'y a rien de plus beau, je trouve, et de plus attirant en termes de santé, que d'aller vers un produit qui vous est vendu par une personne qui a le sourire et un boulanger qui est fier de son travail. Et ça, c'est magnifique, parce que quand vous voyez la queue dans les boulangeries, devant les boulangeries, vous vous rendez compte que les personnes, certes, ils viennent acheter du pain, mais viennent aussi voir le boulanger ou la boulangère, mais c'est tout un circuit qui existe, court, comme vous le disiez. Et il n'y a qu'à voir les personnes qui repartent en vélo avec leur pain sur le porte-bagages.
c'est formidable. Donc ça, c'est au niveau de la santé. Par ailleurs, ce qu'il faut voir, c'est que au niveau de cette santé, il y a une source de fibres qui est très importante dans le pain. Ça permet donc de participer activement à la lutte contre la surcharge pondérale et l'obésité. Donc, et ça améliore le transit. Donc, moins de risque de cancer du côlon. Donc, c'est vraiment cet apport de fibres qui est important. Aussi, l'apport de vitamines B et E qui est important. Donc, pour le système nerveux central, pour tout, c'est vraiment très important. Au niveau des calories, les calories dans le pain, finalement, il y a peu de différences de calories entre les qualités de pain, même s'il y en a moins pour les farines peu raffinées. Mais globalement, il y a 250 kcal par 100 g de pain. Donc pour une baguette, vous arrivez à 700 kcal, ce qui n'est pas énorme quand vous voyez l'effet bénéfique qu'il y a par rapport au pain. Alors aussi, la diversité des pains est très importante en termes de santé. C'est-à-dire que vous avez de la baguette, vous avez de la baguette de tradition, vous avez du pain de seigle, vous avez différents types de pains. Et cette offre multiple des pains fait que les boulangers, ce sont des véritables artisans. Des véritables artisans qui sont capables, en fonction finalement, et ça c'est peut-être un axe de réflexion, des pathologies de la personne, pouvoir conseiller le bon pain. Alors je ne dis pas qu'il faut le mettre parce que ça serait un tue le pain, entre guillemets, diabète, mais par contre, dire à un boulanger, bah, tiens, si une personne vous demande qu'est-ce qu'elle doit prendre comme pain parce qu'elle a tel type de problème, pourquoi pas les orienter vers ce type de conseil éclairé. Dominique Rorac, vous confirmez ces dires. Hein. C'est important que les artisans boulangers doivent communiquer aussi sur ces bienfaits. Et parfois, je me permets, entre guillemets, on a une mauvaise image du pain en disant le pain fait grossir. Oui, mais là, vous me le confirmez, docteur, tant que nutritionniste. C'est pas le pain, c'est à la limite ce qu'on met dessus. C'est comme les pommes de terre. Vous savez, les pommes de terre, on a un index glycémique bas. Si vous mettez la mayonnaise dessus, ça va le monter un peu. Ben, le pain, c'est pareil. Ça dépend. Et encore, on peut mettre du beurre et de la confiture dedans. La confiture, sans mettre trop de sucre dans la confiture. Bien sûr. Donc pas 50% de sucre, mais 30% de sucre. Là, je vois qu'Alexandra est intéressée. J'entends quand vous disiez tout à l'heure, certains, pour perdre du poids, ils prennent du pain. Mais il faut le communiquer, en fait. Hein. Ah oui. Je sais que c'est un combat, en tout cas, vous le faites. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'historiquement, rappelez-vous, dans les années 60-70, on avait eu du mauvais pain, de la farine très blanche, pétri rapidement, avec beaucoup de sel, pas de fermentation. C'est-à-dire, là, c'était une contre-indication pratiquement médical. Alors, j'irais pas dire que maintenant c'est un alicament, mais quand même, maintenant on a une baguette de tradition avec un pétrissage lent. Au niveau des gluten, c'est bon. Ensuite, il y a une très longue fermentation. Pour une tradition, c'est au moins 3 heures, voire 24-48 heures. Donc, il y a déjà presque une prédigestion. Et on sait que la baguette de tradition, avec son taux de cendre qui est de 65, il y a plus de matière minérale et qui a un indice glucidique plus intéressant que cette baguette blanche. Donc là, on a quand même maintenant du bon pain. Alors, je parle de la tradition, mais aussi de tous ces pains complets. Et effectivement, sans être un alicament, il y a quand même des pains qui... Je regarde par exemple cette boule de seigle auvergnate, qui est plutôt recommandée pour les gens qui ont du problème avec du gluten, puisque ça, cette allergie au gluten, c'est pas d'aujourd'hui. Il y en avait déjà du temps de Parmentier. Donc, il y a ces pains comme ça. Il y a les petits épeautres. Il y a tout un tas de pains avec des fortes fibres, les complets, etc., pour des problèmes digestifs. Donc, en fait, on a, quand le boulanger doit aussi s'informer, bien connaître ses produits, sans être un prescripteur, il peut quand même conseiller aux gens, et même quelquefois les gens savent ce qui leur convient. Donc on a quand même un panel dans les boulangeries aujourd'hui de pain frais et tout à fait orienté pour différents gyms et pour toutes les heures de la journée. De qualité en tout cas. Florence, vous voulez peut-être ajouter un mot? C'est surtout aussi une question de quantité et de comparaison. Bien sûr. C'est-à-dire que tout. Si on mange une baguette entière alors qu'on a 8 ans et qu'on prend ça pour le petit déjeuner, c'est pas forcément bon. Par contre, si on mange 5 granola, c'est bien pire. Donc voilà, je suis désolée de citer une marque, mais bon, les petits gâteaux, c'est terrible pour hein, vous me le confirmez. Oui, tout à fait. Donc, non, mais il faut revenir, comme disait le président, quand on voit ce pain de seigle, c'est formidable au point de vue nutritionnel. Ouais. Formidable. Parce que vous avez des fibres, c'est un index glycémique qui est bas, et surtout, vous avez un effet satiétogène. Et à partir du moment où vous avez un effet satiétogène, autant vous pouvez sans arrêt manger vos gâteaux, je sais pas quoi là, je n'ai pas la marque, on va pas 200 grammes ou 300 grammes, alors que là, le pain de seigle, vous n'allez pas manger 300 grammes de pain de seigle comme ça. Exactement. Voilà. Maintenant, reste à le communiquer et bien le communiquer à tout l'ensemble de la population, petits
Et grand et moins grand, Alexandra. Tout à fait. Vous êtes rassurée, n'hésitez pas à aller. Tous les bons pains que vous mangez chaque matin. Mais moi, j'ai toujours été convaincue. De toute façon, le bon pain, c'est comme tout. À partir du moment où c'est pris de manière équilibrée, avec un petit peu de tout, c'est toujours très bon pour la santé. Et moi, je suis particulièrement adepte des pains complets. Donc voilà. Eh ben voilà, vous serez servi, président. Rappelez-vous de ce qu'on disait, hein, manger du pain, vous vivrez bien. Ouais. Exactement. Absolument. La preuve. Nous vivons bien. Merci à tous les trois. Nous l'aurons donc bien compris. Le pain, comme tous les aliments, est très bon pour la santé tant qu'il fait partie d'une alimentation équilibrée. Florence, peut-être un dernier mot. Juste, si vous êtes d'accord avec tout ça, merci de signer le manifeste. Il est sur le site internet de l'Open AgriFood. Plus on aura de signatures, plus on pèsera pour arriver à le faire inscrire dans les programmes scolaires. Merci. Voilà, merci à tous les trois. C'est la fin de cette émission, Alexandra. On se retrouve dans quelques instants pour l'avant-dernière déjà émission. Exactement, nous allons parler de l'empreinte carbone des champs. Voilà, en attendant, vous pouvez retrouver tous nos replays sur les réseaux sociaux de la Confédération. Très bon salon à tous, à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci.